Bonjour à tous. Donc, je me présente Linda Amar. Je suis directrice de l'Institut de formation de techniciens de laboratoire médical au sein de l'Université catholique de Lyon. Donc, aujourd'hui, c'est un live, c'est une grande première pour nous. Il y aura donc deux temps dans cette présentation. Un temps où je vais vous parler des métiers de la santé et de nos formations. Et un deuxième temps où vous aurez loisir de poser toutes vos questions en chat et j'y répondrai. Donc on va commencer par la première partie, les métiers de la santé et nos formations pour y accéder. On va parler donc de l'IFTLM au sein de l'Université catholique, de nos deux types de formations, Bac plus 3 et Bac plus 5. L'IFTLM au sein de l'UCLI. L'UCLI est composé de 6 pôles de formation. On ne va pas les citer. L'IFTLM, nous faisons partie du pôle sciences. Quelques chiffres quand même de l'UCLI. 4 écoles supérieures professionnelles, une grande école de management, 28 unités de formation et une unité de recherche qui est pluridisciplinaire. Et nous accueillons environ 11 000 étudiants au sein de notre campus. L'IFTLM, on propose un parcours du baccalauréat à Bac plus 5, mais pas que, puisque à côté de ces deux formations initiales, nous proposons aussi aux professionnels déjà en exercice, aux professionnels de santé, deux types de formation, un diplôme universitaire et un certificat de qualification professionnelle. Passons d'abord au Bac plus 3, au diplôme d'état de technicien de laboratoire médical. Donc on entend beaucoup parler en ce moment au regard de la crise sanitaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'un technicien de laboratoire médical? Il est bien entendu au cœur du service du patient. C'est un maillon essentiel de la chaîne de soins puisqu'il va participer au diagnostic, il va permettre ainsi au médecin de pouvoir poser un diagnostic avec les résultats que va lui donner le technicien de laboratoire et il va pouvoir mettre derrière une thérapeutique. Le technicien de laboratoire médical va être spécialisé aussi bien dans le diagnostic biomédical, mais il pourra aussi travailler dans des laboratoires de recherche médicale. Avec le ministère de la Santé, puisque nous dépendons du ministère de la Santé, le technicien de laboratoire est spécialisé dans 4 domaines. Il y a 4 domaines. Le premier domaine, c'est ce qu'on appelle strictement la biologie médicale, avec des sous-domaines comme la bactériologie, l'immunologie. Donc ça appelle à carrément du diagnostic ou de la recherche, et avec des gros plateaux techniques et des automates. Le deuxième secteur important, très important à l'heure du Téléthon, c'est les thérapies cellulaires géniques et les biobanques, on en parlera tout à l'heure. Le troisième secteur, c'est tout ce qui a trait à la cancérologie, c'est ce qu'on appelle l'anatomie et la cytologie pathologie. Et enfin, le dernier secteur avec tous les métiers qui s'y refèrent dans les établissements français du sang, avec le secteur de la transfusion sanguine. On a vu qu'il y avait 4 domaines très variés, très divers. Ça va appeler le technicien à travailler dans des structures très différentes. Alors, il y a évidemment les laboratoires privés, mais les laboratoires à l'hôpital. À l'hôpital, quand on rentre, on ne voit pas les laboratoires, mais on voit les médecins, on voit les infirmières, on voit l'équipe médicale, mais il y a tous les paramédicaux derrière qui font les analyses et qui aident à poser un diagnostic. Il y a bien sûr le travail dans les centres de recherche médicale, et là, ça amène à travailler dans des disciplines très particulières. Donc, on peut parler d'une spécialisation, mais la formation de l'IFTLM, c'est justement d'apporter cette polyvalence. Les établissements français du sang, on en a parlé tout à l'heure, avec des métiers très divers, les centres anticancéreux, les centres d'anatomie et cytologie pathologique. Mais il y a beaucoup d'autres
secteurs très différents, comme les services vétérinaires, comme les services des douanes, comme les laboratoires de la police technique et scientifique, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais aussi d'autres laboratoires très divers auxquels on ne pense pas de prime abord, mais tous les laboratoires de l'agroalimentaire, la chimie des eaux et de contrôle qualité, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres. Un petit zoom, on ne va pas vous présenter des vidéos, mais je peux vous parler un petit peu de l'anatomie et la cytologie pathologique, on en a parlé. C'est par exemple, vous voyez à côté une image, donc c'est le médecin qui, il y a une suspicion de cancer, donc on va faire des prélèvements biopsiques, mais aussi des prélèvements d'exérèse, et on va essayer de rechercher dans les cellules si c'est des cellules cancéreuses ou pas. L'assistance médicale à la procréation, ce qu'on appelle l'AMP ou avant la PMA, tout dépend. Donc il y a beaucoup de techniques, on va en citer deux principalement, l'insémination artificielle, soit avec du sperme de donneur, soit avec du sperme de conjoint. Et bien entendu, tout ce qui est fécondation in vitro avec toutes les avancées que l'on a, les congélations d'embryons. Le travail du technicien à la police technique et scientifique, ça va être un travail qui ne va pas être très différent, mais qui va être différent par rapport au type de prélèvement. Parce que là, on va travailler par exemple sur des scènes de crime. Donc on va travailler sur des prélèvements qui sont des traces qui vont qu'on va pouvoir analyser, et à partir de ces traces, eh ben on va pouvoir caractériser l'individu qui porte ces traces, puisque tout individu, on a un patrimoine héréditaire, un patrimoine génétique qui nous est propre. Donc c'est travailler sur des prélèvements particuliers, des traces, des empreintes. La virologie, on en parle beaucoup avec, hélas, cette crise sanitaire. Donc, des laboratoires très particuliers avec des mesures d'hygiène et de sécurité très particulières. Les thérapies cellulaires et géniques, on en parle beaucoup là maintenant avec, à l'heure du Téléthon. C'est comment essayer de préparer des cellules, donc des préparations qui vont être longues, compliquées, pour arriver à avoir une visée thérapeutique. On peut aussi travailler avec des greffons aussi. Et la cytogénétique, c'est tout ce qui a trait à la cellule et au patrimoine génétique. Et on va classer ces chromosomes et on va pouvoir essayer de dire si tel individu porte une maladie et quel type de maladie. Vous voyez que par ce zoom, les métiers très divers du technicien en fonction, bien sûr, du laboratoire auquel il va s'orienter pour son projet professionnel. Alors, on va parler de la formation du diplôme d'État que nous dispensons au sein de l'IFTLM avec toute une belle équipe pédagogique. C'est une formation de 3 ans. Il faut savoir que le métier est réglementé. C'est très réglementé puisque c'est inscrit au code de la santé publique. Donc c'est un métier paramédical. Et pour pouvoir exercer en tant que technicien de laboratoire médical et emporter le titre, il faut être porteur de notre diplôme d'État ou être titulaire d'une formation ayant le même programme que notre diplôme d'État. Donc c'est, on va dire, une profession qui est réglementée. C'est normal, on est au cœur du service du patient. 3 ans de formation pour obtenir, bien entendu, le diplôme d'État. Mais on ne conçoit pas un technicien de laboratoire qui ne soit pas un préleveur. Donc, nous formons à ce que l'on appelle le CCEPS, le certificat de capacité pour effectuer les prélèvements sanguins, mais pas que les prélèvements sanguins, on entend aussi beaucoup avec la crise sanitaire de prélèvements nasopharyngés, et il faut être formé pour ça. Et pour pouvoir être préleveur, il faut obtenir une attestation particulière, ce qu'on appelle la FGSU de niveau 2, c'est une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, et
on envoie nos étudiants au centre d'enseignement et soins d'urgence, et ce sont les médecins urgentistes qui vont former nos jeunes et nos futurs professionnels de santé. C'est une formation bien sûr qui est scientifique, bien sûr qui est professionnalisante, pourquoi professionnalisante? Parce qu'au cours de ces 3 années, il y a énormément de stages, il y a 8 mois de stages. Elle est professionnalisante parce que aussi, à côté de la théorie, on a beaucoup de travaux pratiques et pratiquement moitié-moitié, une répartition 50-50 et 8 mois de stage. C'est beaucoup, 8 mois de stage qui vont être répartis, donc répartis dans différents laboratoires où justement le jeune va pouvoir aller dans des laboratoires très différents des laboratoires qu'on a présentés tout à l'heure. Les enseignements en première année, je ne vais pas tous les citer parce que je préfère avancer et répondre à vos questions. Donc, la première année, on va essayer d'asseoir les bases, mais de faire découvrir des enseignements comme la bactériologie, la biochimie, l'hématologie, l'hémostase qui vont être au cœur du métier. Les enseignements en deuxième année, on va passer quelque chose de beaucoup plus clinique. Donc, on va travailler sur des cas cliniques avec donc des cas de patients. Et on va introduire tout ce qui est cancéreux aussi, tout ce qui est pathologique. Les enseignements de troisième année, eh bien, on approfondit avec bien sûr des nouvelles disciplines. On peut citer la pharmacologie, la toxicologie, on peut citer aussi la parasitologie. Donc un enseignement qui est assez poussé et assez complet, pardon, une formation très polyvalente. Donc là, on a voulu vous présenter nos salles de travaux pratiques avec nos étudiants, pour que vous puissiez voir comment nos étudiants travaillent en autonomie, comment sont organisées les paillasses, comment on apprend cette autonomie et ces règles d'hygiène et de sécurité. En expliquant bien sûr avant de démarrer un TP tout un protocole à respecter. Donc, vous voyez qu'ils sont assez indépendants et qu'ils utilisent plein de matériel qui sont à leur disposition. Donc nous avons au total 13 laboratoires d'enseignement. Donc, vous les voyez très studieux avec des lunettes de protection, des masques, des gants, le matériel qui est à proximité, et ils gèrent leur temps. Vous voyez qu'ils ne font pas tous la même chose en même temps. Donc ils gèrent leur paillasse exactement comme quand ils seraient dans leur laboratoire. Donc on revient à la formation qui est très professionnalisante, avec moitié théorie, moitié de travaux pratiques, et après on va mettre toute cette pratique dans les laboratoires au cours des stages. Vous voyez qu'ils arrivent à disposer de leur matériel. Donc ça montre une petite expertise. On a parlé des stages, donc ça représente 8 mois, 32 semaines de stage, des stages qu'ils peuvent effectuer aussi à l'étranger. Donc ils choisissent bien entendu que les terrains doivent être agréés par l'école, mais on peut citer quelques exemples où nos étudiants sont allés en stage à l'étranger, la Suisse évidemment, l'Angleterre, l'Irlande du Nord, le Québec, la Réunion, le Sénégal, le Cameroun, même au Vietnam, voilà. Donc, on aide bien sûr les étudiants à faire ces stages au sein de l'international avec des objectifs très particuliers. On propose aussi à nos étudiants, à partir de la deuxième année seulement, un parcours en apprentissage, c'est-à-dire soit un parcours classique pendant les 3 ans où l'étudiant reste étudiant. À partir de la deuxième année, il peut être en apprentissage, donc il va signer un contrat d'apprentissage avec un laboratoire et il effectuera sa deuxième et sa troisième année en apprentissage.
Il peut aussi choisir de faire uniquement sa troisième année d'apprentissage. C'est un atout énorme, aussi bien pour l'étudiant que pour les laboratoires. Il y a beaucoup d'avantages pour être en apprentissage. D'abord, ils ont un double statut. Ils sont étudiants, mais ils sont aussi salariés. Et en fonction de l'année où ils vont rentrer en apprentissage, donc ils vont signer des contrats à durée déterminée, soit de 12 mois, soit de 24 mois, avec un laboratoire. Les avantages, c'est que c'est le centre de formation d'apprentis, et nous on a choisi de travailler avec l'IFIR, qui va payer la formation de l'étudiant, et l'étudiant, comme il est salarié, eh bien, il va toucher un salaire. Donc on peut dire que aussi, c'est gagnant-gagnant, mais la formation est carrément identique et ça sera le même diplôme. Nos points forts, on en a beaucoup de points forts. On a beaucoup de points forts. On peut citer bien sûr l'accompagnement personnalisé. Donc, on a des responsables d'études qui vont suivre les étudiants tout au long de l'année, ce qu'on appelle les suivis pédagogiques. On a aussi des tutorats. Ça veut dire quoi les tutorats? Ça veut dire que le tutorat il va être gratuit pour l'étudiant. On va avoir des étudiants de deuxième année, on va avoir des étudiants de troisième année qui vont aider nos jeunes qui sont en difficulté dans telle ou telle discipline. On va avoir aussi une responsable d'études qui va s'occuper des étudiants pour les guider dans la recherche de stage. Et moi-même, je les guide en troisième année pour s'insérer professionnellement. Donc ça veut dire qu'on va travailler en fait le projet professionnel. Les parcours sont très professionnalisants, puisqu'on a des stages en France, à l'étranger, et on a dit qu'on a 8 mois de stage. Les débouchés, ils sont plus que favorables. Donc, vous voyez des histogrammes à côté. Vous pouvez voir en bleu le nombre d'offres d'emploi reçues, en sachant que nous avons un agrément pour former 60 diplômés par an. Et vous voyez qu'on frôle les 120, même les jusqu'à 140 offres d'emploi que nous recevons directement sur notre boîte mail. Donc des débouchés qui sont plus que favorables, en sachant aussi que tous nos diplômés ne s'insèrent pas professionnellement tout de suite après la diplomation. Certains, environ 20% de nos diplômés poursuivent leurs études, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis bien sûr, l'IFTLM fait partie intégrante de l'Université catholique de Lyon. Donc on profite bien sûr des 145 ans d'expérience de l'UCLI, des nombreux services qui sont mis à disposition des étudiants, un service logement, c'est-à-dire qu'on va les aider à trouver un logement, un pôle santé, une cafétéria, des activités sportives, une réelle vie associative et évidemment l'aumônerie. Les installations au sein de l'UCLI sont très innovantes. On a vu une vidéo vous montrant les laboratoires, mais on dispose aussi d'une salle de coworking, de learning lab, d'un incubateur. Donc beaucoup de points forts. Comment s'inscrire? Comment être admis au sein de l'IFTLM pour préparer ces 3 années pour être diplômé d'État? Donc, on est sur Parcoursup, donc ça va être une admission sur dossier. Le public visé, alors j'ai envie de dire tout type de bac, mais bien sûr qu'on va sélectionner. On va sélectionner des bacs scientifiques, on va sélectionner évidemment des STL, sciences et techniques de laboratoire, mais aussi des bacs ST2S et d'autres baccalauréats. On va vraiment étudier le dossier de l'étudiant. On a aussi des étudiants qui peuvent être en réorientation notamment après la PASS, le parcours d'accès spécifique santé, ou des étudiants qui sont en réorientation après une première année de licence et qui veulent se réorienter. Voilà ce que je peux dire pour l'admission via Parcoursup. Ceux qui sont dans des lycées, bon, ça va être bien expliqué, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés. Et nous avons un agrément de la région Auvergne-Rhône-Alpes et nous accueillerons 60 étudiants en première année.
La procédure d'inscription, elle se fait à partir du 21 janvier. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire à partir du 21 janvier et elle se terminera le 11 mars. Des mots-clés pour nous trouver vite, études de santé, diplôme d'état de technicien de laboratoire de médical, bien sûr Lyon. Et vous allez sélectionner l'Institut catholique de Lyon, l'IFTM, et vous allez tomber directement sur notre formation. Les résultats sur Parcoursup seront donnés à partir du 27 mai. Parlons des droits d'inscription. Je vais citer ceux de cette année universitaire. On avait des droits d'inscription à 170 euros et des frais de scolarité à 4 669 euros. Il n'y a pas de frais annexes. Le paiement, le règlement peut s'effectuer en une fois, en trois fois et même en sept fois. Il y a des aides qui sont possibles et qui sont nombreuses. Des aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une bourse régionale et des bourses d'accueil au sein de l'UTLI allant jusqu'à supporter 50% des frais de scolarité. Donc des aides importantes qui sont mises à disposition de nos futurs étudiants. On a un deuxième type de parcours qui est un bac plus 5. Donc nous proposons un master de management de la qualité dans les industries pharmaceutiques et biomédicales. Donc on reste toujours dans notre cœur de métier qui est la santé. Ce master, c'est un master d'État puisque nous sommes en partenariat avec l'Université Jean Moulin Lyon 3 et notamment avec l'IAE. 120 crédits ECTS seront donnés à la fin de ces 2 années de parcours de master. Donc nous allons former des professionnels qui vont avoir une double compétence, une compétence de management et une compétence de qualiticien. Ils pourront s'intégrer en tant que cadre, en tant qu'ingénieur, aussi bien dans des industries pharmaceutiques que dans des entreprises biomédicales. Et c'est vrai que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup d'entreprises de ce type. Donc, une double compétence, je l'ai dit tout à l'heure, du management, de la qualité. On ne va pas citer toutes les compétences que nous visons. Et bien sûr que le qualiticien va piloter le système de management de la qualité. La qualité, c'est quelque chose qui est présent dans toutes les entreprises, non seulement présent, mais obligatoire, avec des normes très particulières, une réglementation très particulière. Donc, c'est du travail au quotidien, c'est ce qu'on appelle de l'amélioration continue avec des protocoles, des procédures à mettre en place, des modes opératoires. Les métiers visés sont très très nombreux. Là, j'ai cité le principal, directeur technique en industrie ou dans des laboratoires biomédicaux, mais bien sûr responsable qualité, coordinateur en assurance qualité. La dénomination peut être différente d'une entreprise à l'autre. On ne va pas citer non plus tout ce qui se passe en semestre 1, en semestre 2, comme unité d'enseignement, mais vous voyez que c'est extrêmement varié et ça va même jusqu'au semestre 2 avec un séminaire international. Donc, on a des matières scientifiques, des matières réglementaires, de la comptabilité, de l'économie. C'est très, très varié. C'est des exemples de nos partenaires, tous ces partenaires. On se doit de les citer et on les remercie d'avoir accueilli en stage de Master 1 nos étudiants de l'an dernier qui sont actuellement en Master 2. Donc, merci à l'ensemble de ces entreprises de nous aider à former nos jeunes et leurs futurs collaborateurs. Le Master 2, on continue dans la professionnalisation. On continue aussi dans tout ce qui est qualité, management, on va jusqu'au cadre juridique et aux politiques de santé. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est très professionnalisant parce que aussi bien en M1 qu'en M2, il y a 6 mois de stage par année. Donc, 6 mois de cours et 6 mois de stage. Pour s'inscrire, pour être admis en master,
sûr qu'on a des modalités. Donc en master, on va accepter des diplômes d'état de technicien de laboratoire médical, donc des diplômés qui sortent de l'IFTM, mais aussi des licences 3, licences 3 de sciences de la vie, des licences 3 de sciences pour la santé. En master 2, on peut avoir, bien sûr qu'on a les master 1, mais on peut avoir aussi des admissions parallèles d'étudiants qui ont déjà un master 1 scientifique, ou qui viennent d'école d'ingénieurs, ou aussi des pharmaciens, puisque les pharmaciens qui vont aller travailler en industrie pharmaceutique et qui veulent s'orienter vers la qualité ou les affaires réglementaires vont passer par notre formation. L'admission est sur dossier et un entretien. Les frais, on peut citer les frais de l'an dernier, donc des droits d'inscription à 243 €, puisque les étudiants vont acquitter ces frais au sein de l'IAE, et des frais de scolarité pour l'IFTLM qui s'élèvent à 6 694 €. Là aussi des aides. Les aides cette fois de l'enseignement supérieur par l'intermédiaire du CROUS, donc des bourses du CROUS, mais aussi des aides aussi de l'université catholique pour des aides, ce qu'on appelle des aides de poursuite d'études. Ils vont faire 6 mois, 12 mois de stage s'ils font le M1 et le M2, donc ils vont être rémunérés. La rémunération minimale de 577 € par mois, ça c'est le minimum légal, mais d'expérience ils ont beaucoup plus. Je vous remercie et maintenant on va passer à la deuxième partie de ce live, c'est-à-dire répondre à vos questions via le chat. Donc, je vais essayer de voir vos questions, de les lire. Alors, première question sur le chat. Le diplôme d'État est-il reconnu? Ben, c'est un diplôme d'État. Donc, c'est un diplôme de l'État français. Donc, bien sûr qu'il est reconnu. Et ça implique que le diplômé va pouvoir travailler en dehors de la France. C'est un diplôme du ministère de la Santé, d'ailleurs. Une autre question sur le chat. Est-ce facile de trouver des stages? Eh bien, si vous avez bien écouté ma présentation, vous avez vu que nous mettons à disposition des étudiants, des responsables, qui vont les guider tout au long de l'année à trouver les stages. Donc, au niveau de la région, de quelle région, au niveau de quelle discipline, donc on va vraiment les guider, et pour pouvoir travailler et peaufiner leur projet professionnel. J'essaie de voir d'autres questions. Alors, comment se passe une semaine type? Il n'y a pas de semaine type. Il n'y a pas une semaine qui ressemble à une autre. Les étudiants, en règle générale, ils démarrent le premier semestre en première année avec pas mal de théorie et un petit peu de travaux pratiques. Et à partir du deuxième semestre, il y a énormément de travaux pratiques. Et je vous ai dit, au cours des 3 années, il va y avoir autant de travaux pratiques que de cours théoriques. Donc, il faut asseoir les cours théoriques pour pouvoir passer à la pratique et ensuite les mettre en application. Donc, il n'y a pas tellement de semaines type, mais on va dire qu'il n'y a pas plus de travail que lorsque vous êtes en terminale. Bien sûr, c'est un travail qui est quotidien, qui doit être fait quotidiennement. Est-ce que j'ai d'autres questions sur le chat? N'hésitez pas à poser des questions. Une autre question, qui font les enseignements du diplôme d'État? On a beaucoup d'intervenants. On a bien sûr ce qu'on appelle des formateurs, des enseignants qui sont chez nous. Alors ça va être aussi bien des enseignants-chercheurs
des enseignants de travaux pratiques. Ça peut passer des cadres de santé à des médecins ou pharmaciens biologistes. Nous avons beaucoup, beaucoup d'intervenants qui sont des professionnels de santé, qui sont même des praticiens hospitaliers, parce qu'on va justement aller chercher l'expertise d'une discipline, l'expert en bactériologie, l'expert en anatomie, cytologie, pathologie. On ne peut pas être expert partout, donc on va avoir des praticiens hospitaliers pour la majorité, mais des enseignants-chercheurs, évidemment. J'essaie de chercher s'il y a d'autres questions. Un élève de Bac plus 3, pro spécialisé qualité, peut-il intégrer le master? Oui, à partir du moment où il y a une formation de Bac plus 3 qui est scientifique, on va étudier le dossier. Et l'entretien, c'est un entretien de motivation. Donc oui, pour répondre à cette question d'une future peut-être étudiante de master. Donc oui, on peut intégrer le master après un Bac plus 3. Y a-t-il une liste d'attente suite aux décisions sur Parcoursup? Alors, en fait, on a beaucoup de candidatures sur Parcoursup, on ne va pas le cacher. On peut accueillir 60 étudiants, donc on va faire une liste et on va faire un classement. Voilà. Et en fonction du désistement, on va appeler les premiers. En fonction du désistement, oui, on pourra appeler le 150e, le 200e, si possible. Si, tant qu'on n'a pas nos 60 étudiants, on va appeler. Il faut savoir que quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, vous vous inscrivez dans beaucoup d'écoles pour avoir une chance d'intégrer l'IFTLM. Donc oui, bien sûr, il y a une liste d'attente. J'essaie de voir. Autre question sur le chat, alors je la lis en même temps. Le diplôme est un diplôme d'État reconnu par le ministère de la Santé. Oui, mais a-t-il une équivalence de reconnaissance éducation nationale? Pas la peine, parce qu'en fait, les diplômes nationaux, ce qu'on appelle les diplômes nationaux, ils sont divisés en plusieurs types. Donc vous avez des diplômes type licence, master, qui sont des diplômes de l'enseignement supérieur de la recherche. On a les diplômes de l'éducation nationale, ça va être tout ce qui est BTS. Et on a les diplômes d'État du ministère de la Santé, c'est le diplôme d'État d'infirmier, c'est le diplôme d'État de manipulateur en électroradiologie, et c'est bien entendu notre diplôme d'État de technicien de laboratoire médical. Donc c'est tous les paramédicaux qui dépendent bien sûr du ministère de la Santé. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Encore d'autres questions sur le chat? J'arrive à avancer. Y a-t-il des cours en anglais? Il n'y a pas des cours en anglais, il y a des cours d'anglais, ce qui est différent. Donc, dans le programme officiel, il n'y a pas d'enseignement d'anglais, mais nous, à l'IFTLM de Lyon, on a décidé d'en mettre aussi bien en première année, en deuxième année qu'en troisième année. Et bien entendu, dans le master aussi, puisque il faut savoir que le technicien de laboratoire, qu'il travaille dans un laboratoire sur un plateau technique ou qu'il travaille dans un laboratoire de recherche, il va beaucoup travailler avec des automates. Et les automates, c'est bien les fournisseurs, fournissent des protocoles qui sont en anglais. Donc, l'anglais scientifique est indispensable. Donc, oui, pour répondre à cette question. Autre question, est-ce que le lycée d'où nous venons va influencer sur l'admission? Alors, je comprends tout à fait votre question. Je comprends parce qu'il y a des lycées qui sont plus sélectifs. Donc déjà, on va se baser sur vos résultats tout au long de l'année.
il va falloir avoir le baccalauréat. Oui, on va faire attention, on va faire attention au lycée, parce que avoir un 15 sur 20 dans un lycée et un 12 sur 20 dans un autre, c'est peut-être équivalent, tout dépend du niveau d'exigence. Alors, elle est longue la question. Dans le cadre du master, les modules d'amélioration continue sont visiblement représentés. Oui, je réponds oui. La formation favorise-t-elle plutôt l'apprentissage des BPF ou plutôt un référentiel type ISO? Les deux, madame, les deux. Parce que le master, on va apporter toutes les normes et référentiels de l'industrie pharmaceutique que des entreprises biomédicales. Donc, oui, les deux. Je remonte encore. Quels sont les attendus pour accéder à la formation? Ben, ça dépend de quel type de formation. Si on parle d'une formation Bac plus 3, ben, les attendus, ça va être le niveau que vous avez eu en première et en terminale. Et aussi bien le niveau de votre baccalauréat, qu'on va s'intéresser pas à toutes les disciplines, aux disciplines qui vont servir pour le métier de technicien de laboratoire. Bien sûr, vos enseignements techniques servent. Après, il n'y a pas que les notes, il y a aussi votre lettre, votre motivation, il y a aussi les appréciations des enseignants. Donc, c'est tout un ensemble. Autre question, y a-t-il un nombre de places limité pour les bacs S et 2S par rapport aux bacs généraux? Eh bien non, nous n'avons pas de sélection, c'est-à-dire nous ne sélectionnons pas comme ça et je me refuse à parquer les étudiants en fonction de leur baccalauréat. C'est vraiment votre niveau. Donc, et d'une année à l'autre, on a des profils très différents, on a toujours des classes très hétérogènes et des profils très différents. Donc, nous, on n'a pas un nombre limité pour ST2S, ST2S. La logique avant, quand on a fait ce baccalauréat, c'était orienter les jeunes vers le métier d'infirmier. Le métier d'infirmier, c'est un métier paramédical. Nous formons des paramédicaux. Il faut qu'il y ait des passerelles entre nous. Donc, oui, on a besoin de ces bacs ST2S. Autre question, est-ce facile d'intégrer la police technique et scientifique? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, on a vu, j'ai essayé de présenter très 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 brièvement le métier de technicien au sein de la PTS. C'est vrai qu'il peut être soit dans un laboratoire, soit il peut être dans un commissariat et aller sur les lieux, on va dire, de crime ou autre, hein, de délit, pour recueillir les prélèvements. Pour intégrer la PTS, il faut être déjà diplômé, donc déjà un technicien de laboratoire, et il faut passer un concours de la PTS. Donc, ça dépend des régions. Donc, il y a des concours qui sont ouverts chaque année, avec un nombre de places limité. Et nous avons pas mal d'anciens, je suis très fière parce que chaque année on a des anciens qui intègrent la PTS, donc ça veut dire que non seulement ils ont diplômé, mais ils ont travaillé pendant, on va dire, un an pour essayer de voir et d'intégrer la PTS et de travailler sur les annales de la PTS. Il y a un examen écrit pour intégrer la PTS, mais il y a aussi un entretien. Sans entretien, il est capital, donc il faut vraiment montrer qu'on veut intégrer parce que vous êtes des policiers aussi. Et c'est très très confidentiel tout ce qui se passe comme type d'analyse. Donc on a aussi des étudiants, et notamment cette année on a une étudiante de troisième année, donc je dirais le nom, c'est très confidentiel ce qu'elle fait. Elle fait un stage au sein de la PTS à Gerland. Autre question? Qu'est-il attendu dans notre lettre de motivation? Eh bien, votre motivation. Donc, vous devez, si vous voulez intégrer le bac plus 3, il va falloir nous dire pourquoi vous
voulez être technicien de laboratoire. Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier? Qu'est-ce qui vous attire et dans quel type de laboratoire? Donc, montrez l'amour du métier, l'amour de l'autre et tout ce qui est votre responsabilité, votre fiabilité, parce que là, on va donner des résultats et des résultats qui doivent être fiables. Merci, il y a beaucoup, beaucoup de questions, j'essaie de répondre. Donc, autre question. Il est marqué que vos étudiants ont intégré la réserve sanitaire lors de la crise. Comment ça s'est passé? Oui. Alors, il y a nos étudiants qui ont intégré la réserve sanitaire. Alors, l'année dernière, on a été impacté dès le mois de mars. Ça tombait bien que ce soit le mois de mars parce qu'on va dire aussi bien nos étudiants de fin de première année que nos étudiants de fin de deuxième année que même nos étudiants de troisième année étaient armés. Donc, ils ont été rejoindre la réserve sanitaire. C'est l'Agence régionale de santé qui est une de nos tutelles qui nous a demandé de les aider et d'aider notamment les laboratoires hospitaliers en priorité pour aller rejoindre cette réserve sanitaire et aider dans les techniques. Les diplômés aussi ont aidé en fin de journée, en week-end, ça s'est rajouté au sein de leur travail. Actuellement, on a des étudiants qui, le soir et les week-ends, vont aider aussi les hôpitaux, mais aussi les laboratoires privés, parce que les laboratoires sont hyper bloqués, comme vous le savez, avec les prélèvements nasopharyngés, les techniques de PCR qu'il faut mettre en route. Donc, c'est tout du travail de technicien de laboratoire. Donc, oui, ils ont intégré, ils font partie prenante de cette réserve sanitaire. Sur quel site sont préparés ces diplômes? Donc, je pense que là, la question, ça doit être par rapport à l'Université catholique de Lyon, puisque nous avons trois sites maintenant. Sur Lyon, nous en avons deux et nous avons un site sur Annecy. Eh bien, nous sommes sur Lyon et nous sommes sur le site de Saint-Paul. Est-ce que j'ai loupé des questions? Là, j'en vois plus qui apparaissent. J'essaie de revoir un petit peu les questions. Ce que je peux dire en attendant qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre et pour vous répondre même toute la journée. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions, excusez-moi. Si, il y a une autre question qui est arrivée. Quelles sont les formations possibles après obtention du diplôme d'État Bac plus 3, hormis votre master? Et là, il y a deux types, en fait, de poursuite d'études principales. Il y a un type de poursuite d'études, c'est d'intégrer un master. Alors, bien sûr, il faut que le master colle avec l'enseignement qu'on vous a donné. Donc, ça va être, bien sûr, un master scientifique. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer les universités qui proposent des masters. Ça peut être un master en génétique, ça peut être un master en bactériologie, tout type de master. Après notre diplôme d'État, on peut aussi intégrer une école d'ingénieur. On a environ un à deux diplômés par année qui intègrent une école d'ingénieur. Donc, ils rajoutent 2 ans pour devenir donc, ingénieur. Le master se prépare-t-il en apprentissage? Pas encore. Non, c'est quelque chose que nous pensons mettre en place peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc, pour le moment, il s'agit d'une formation initiale, mais en même temps, il y a 6 mois école et 6 mois en stage. Donc, 6 mois en stage où vous êtes salarié, on peut dire que c'est de l'alternance en tout cas. Une autre question qui arrive, je n'étais pas là au début de la présentation. Pouvez-vous me dire votre fonction au sein de l'école? Je vais vous dire mon nom, Linda Amar, je dirige l'IFTLM depuis de très nombreuses années. Donc,
je dirige l'Institut de formation de techniciens de laboratoire médical. Et avant de diriger l'IFTLM, je dirigeais un laboratoire de recherche spécialisé en procréation médicalement assistée. Donc le métier de biologiste, ben, je le connais, le métier de technicien de laboratoire, je le connais avant de pouvoir diriger une telle école. N'hésitez pas, si j'ai répondu à une question et que vous voulez des compléments aux réponses que j'ai pu apporter, j'essaie de répondre vite parce que je vous remercie, le chat est très très riche. Encore deux autres questions qui arrivent. Trouve-t-on facilement du travail? Ah oui. Alors, là je vais me régaler parce que concernant le diplôme d'État, on forme 60 diplômés par an, depuis peu parce qu'on en formait 48, et on a plus de 120 offres d'emploi par année, donc avec des offres qui sont très intéressantes. Donc, bien que nos diplômés s'insèrent très facilement, il n'y a pas du tout d'attente. Hein. Ils sont insérés dès la sortie de leur diplôme, en sachant que 20% poursuivent leurs études, donc l'insertion est très aisée. Parlons du master. Le master, il a été ouvert uniquement l'année dernière. Donc, ce master de management de la qualité dans les industries pharmaceutiques et biomédicales a trouvé un succès fou. Alors, 28% de nos étudiants qui étaient en stage ont eu une proposition d'emploi par les entreprises qu'on a montrées. Si vous voulez le revoir en différé, vous verrez les entreprises. Donc, oui, on s'insère très, très facilement. Autre question, peut-on compléter la formation pour faire de la recherche agroalimentaire et à quel endroit? Alors, à quel endroit, je vais vous laisser regarder, j'ai pas le droit de vous dire comme ça en live ou ça serait de la publicité. Donc, oui, bien sûr, l'agroalimentaire fait partie pleinement de tout ce qui est patient, qualité. Donc oui, on peut compléter la formation par de la recherche agroalimentaire. Alors je ne sais pas ce que vous entendez aussi par recherche agroalimentaire, si la personne pouvait compléter ça, peut-être que je pourrais apporter une autre précision. Hein. J'ai démarré ma carrière en agroalimentaire, pour vous dire que ça mène à tout. Alors, peut-on intégrer le master en M2 avec un master QSE? Oui, c'est possible. On va étudier, en fait, si vous avez un M1, on va en fait étudier les disciplines que vous avez étudiées en M1. Soit on va vous intégrer entièrement en M2, ou on vous dira de suivre quelques modules de M1. Donc oui, c'est possible. C'est possible si ça colle, mais je ne peux pas vous répondre comme ça. Ça va dépendre aussi des disciplines que vous avez faites. Il ne faut pas que vous soyez en manque Là, ça va être plus le scientifique. Le côté qualiticien, vous l'aurez. Après, il y a aussi du droit, d'autres modules, pas uniquement scientifiques. Tout est une question en fait de dossier. Hein. Tout est une question de dossier, aussi bien pour intégrer le bac plus 3 avec le diplôme d'État que le master. On étudie vraiment tous les dossiers. Et si on ne comprend pas, eh ben, soit on va vous appeler, soit on demande à l'entretien. Tout ça, c'est des petites choses qui se précisent à l'entretien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 10 minutes de live. Je ne vois plus de questions sur le chat. Je ne vois plus de questions sur le chat. Peut-être parler de l'apprentissage, peut-être parler de l'apprentissage. Ça peut intéresser certaines personnes, donc certaines personnes qui vont intégrer l'IFTLM vont pouvoir faire une année classiquement et après pouvoir intégrer la deuxième année et la troisième année en apprentissage, c'est-à-dire signer un contrat d'apprentissage avec un laboratoire et être aussi bien étudiant que salarié.
Il y a une autre question qui apparaît. Quels sont les effectifs par classe? Alors, comme on a deux types de formation, donc pour le diplôme d'État, c'est 60 en cours magistral. Pour les travaux pratiques, ces 60 sont divisés en trois groupes. Donc, on vous fait travailler par 20 en salle de travaux pratiques pour que vous puissiez être à l'aise et avoir votre matériel et votre espace à vous. Et concernant le master, pour le moment, en master 1, on a accueilli 25 étudiants. On peut pousser, oui, à 30. Là aussi, ça va dépendre des candidatures. Vraiment, on ne se fixe pas un objectif, ça va dépendre des candidatures. Si on a 30 candidatures magnifiques, je ne vois pas comment on va pouvoir sélectionner. On va prendre les 30. J'espère avoir répondu à votre question, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien parce que les questions du chat, on voit que vous êtes intéressé par nos deux types de formation. Alors moi j'ai envie de dire que c'est une très belle opportunité pour l'IFTLM d'avoir ouvert il y a 2 ans un master, parce que ça donne justement une projection et un prolongement du panel pour poursuivre les études. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. J'espère qu'on a été clair. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. On répond absolument à tous les mails et on vous recevra, bien entendu. Alors, il y a une autre question qui arrive. Pour les lycéens, à part l'aspect SVT, laquelle est conseillée? En fait, je ne vais pas donner un conseil. Je vais dire ce qui serait rédhibitoire, c'est de choisir quelque chose, une voie où vous ne faites pas de biologie. Si vous ne faites pas du tout de biologie, je ne vois pas du tout comment vous allez pouvoir intégrer notre formation qui spécialise en biologie médicale. Vous allez avoir des lacunes qui sera impossible à combler. Donc, il n'y a pas que l'aspect SVT. Alors, je sais qu'il y a eu une réforme, bien sûr, du baccalauréat. Alors, très souvent, j'essaie d'imaginer les questions d'avance. Est-ce qu'il faut être bon en maths? Non, on ne regarde pas les mathématiques. Vous voyez, donc ça, on ne regarde pas. On va regarder la biologie, on va regarder la chimie, la physique, mais on va regarder aussi, surtout, votre dossier, les appréciations, votre motivation. Il y a tout un ensemble de critères qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, il ne faut pas que vous vous auto-censuriez. Je n'ai pas envie que vous disiez, oh là là, avec mon baccalauréat, avec les exigences attendues, je ne vais pas y arriver, ou on ne va pas me prendre. Non. Alors, il y a encore d'autres questions. Alors, pourra-t-on visiter les locaux si les conditions sanitaires s'améliorent? Bien entendu, c'est évident. On a hâte de pouvoir vous accueillir. Là, aujourd'hui, c'est un live, je parle devant une caméra qui me filme. J'aurais bien voulu vous voir et répondre à vos questions et vous faire visiter, bien sûr, nos laboratoires d'enseignement et répondre à toutes vos questions. On pourra aussi vous accueillir sur les journées de l'enseignement supérieur et vous montrer carrément nos étudiants qui sont en train de manipuler. Ça, on pourra le faire, voilà, en respectant, bien sûr, des mesures. Autre question, alors là, ça a flu. Les lettres de recommandation sont-elles demandées dans les dossiers? Non, pas pour un bac plus 3. On peut demander une lettre, on l'exige pas, mais par exemple, un étudiant qui voudrait s'inscrire en M1 et qui va apporter une lettre de recommandation d'un de ses enseignants de licence, c'est un plus. Voilà. Pour les lycéens venant du bac STL, y a-t-il une différence d'admission
pour les deux spécialités, STL biotechnologie et STL chimie. Oui, il peut y en avoir. Je pense que le plus adapté, c'est le STL biotechnologie. Mais encore faut-il voir votre dossier. Si c'est un dossier STL chimie qui est très bon, on va pas l'éliminer. Il me semble que j'ai passé une question. Alors, après le diplôme d'État Bac plus 3, question très importante. Est-ce que les métiers de technicien sont forcément en rapport avec les labos de prélèvement sanguin? Bien sûr que non! Mais bien sûr que non! Vous pouvez être dans des laboratoires hospitaliers où vous ne voyez pas du tout le patient, donc les prélèvements ne sont pas faits par les techniciens, mais par les infirmières. Et vous pouvez aussi intégrer des laboratoires où vous ne voyez pas de patient, si ce sont des laboratoires de recherche médicale. Donc, soit vous êtes au cœur et avec le patient devant le patient, soit vous êtes derrière. Donc, si les prélèvements vous font peur, bien sûr que non. Et si vous avez bien écouté, les secteurs d'activité sont très divers et très variés. Je ne pense pas avoir oublié une question. Je vais voir s'il y en a d'autres. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes, 4 minutes maintenant. Après, le live sera coupé. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet où vous allez avoir des vidéos. Des vidéos de techniciens de laboratoire en poste avec on va dire, vraiment des questions très particulières et qui vont présenter leur métier. Ah, il y a une autre question qui arrive de dernière minute. Y a-t-il une remise à niveau des différents élèves en début de formation? Oui. En première année, en fait, c'est ça la première année, c'est essayer d'homogénéiser le niveau de nos étudiants. Donc, en première année, on va asseoir les bases avant de pouvoir aller plus loin. Et arriver en deuxième année, le niveau est nivelé. Donc, oui, ça se fait intuitivement par l'équipe pédagogique. Intuitivement. Voilà, on arrive presque au bout de notre live. Ben moi, j'ai été ravie de faire cette première en live, un petit peu frustrante parce que je ne vous vois pas un peu frustrante aussi parce qu'on aurait beaucoup aimé vous faire visiter nos laboratoires. Donc, je vous invite, dès que cette crise sanitaire se sera calmée, à venir visiter l'Université catholique de Lyon, magnifique lieu. Et bien entendu, nos laboratoires d'enseignement, de discuter avec notre équipe pédagogique, de pouvoir poser vos questions. Et une dernière question, après je pense qu'on va arrêter. Quels ont été les retours des maîtres de stage sur ce nouveau master? Des retours magnifiques. Et là aussi, on peut vous mettre en contact avec des jeunes qui sont actuellement en M2. Des retours magnifiques, puisque 28% de nos contacts, on leur a proposé de les embaucher avec un CDI à la clé à la fin de leur M2. Donc des retours très positifs. Vraiment, ce master, c'était un réel besoin pour les laboratoires. Le fait d'avoir abandonné la spécialité physique-chimie en terminale sera-t-il un handicap pour moi? Il y a un petit peu de physique. Un petit peu de chimie en terminale. Si vous avez fait un peu de physique, un peu de chimie en première, ça ne devrait pas être un handicap parce que le programme est light et en deuxième année, on ne parle plus de physique, on ne parle plus de chimie. Donc ça ne devrait pas être un frein, à condition bien sûr que vous ayez des bases de physique et de chimie.
Dans Parcoursup, vous trouvera-t-on dans les formations sélectives? Oui, bien entendu. Là, je ne peux pas les redonner. Essayez de regarder en live, mais métier de santé, diplôme d'état de technicien de laboratoire médical, Institut catholique de Lyon, IFTLM, vous allez tomber sur, et Lyon, bien sûr, vous allez tomber tout de suite sur nous. Eh bien, j'ai plus qu'à vous remercier encore une minute pour vous dire le plaisir que j'ai de diriger cette école et le plaisir que j'aurai de vous accueillir à la rentrée prochaine. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de vous être présenté à ce live et à très bientôt peut-être. Au revoir.